Célibataire, veuf, divorcé, à 60 ans, je me suis marié pour la troisième fois. Vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien, coach de vie sentimentale. J'accompagne des couples, mais aussi les célibataires, veufs, divorcés, qui ont du mal à rencontrer, qui ont peur, qui éprouvent des difficultés dans leur vie sentimentale. Prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance. De chez vous. Et ce que je veux vous dire, c'est que je vais avoir 60 ans et il y a quelques semaines, je me suis marié pour la troisième fois. Oui, mes amis, dans ma vie sentimentale, eh bien, j'ai connu énormément de difficultés. Un premier divorce très difficile, avec des conflits, avec une séparation avec mes enfants, de la distance avec mes enfants à 500 km, au temps où il n'y avait pas encore Internet, ni même le TGV ou les téléphones portables. Puis je me suis remarié, j'ai reconstruit une famille recomposée, un autre enfant, et par la suite, j'ai vécu à deuil la mort de la femme que j'aimais passionnément. Donc j'ai été dans cette errance, à vivre seul avec mes enfants, c'était difficile, le doute était là. Et puis j'ai rencontré une autre personne, nous avons encore reconstruit une autre famille recomposée avec d'autres enfants. Et maintenant cela fait 15 ans et nous venons de nous marier parce que nous vivons le bonheur. Oui, je peux vous le dire, mes amis, j'ai vécu beaucoup de moments douloureux dans ma vie sentimentale, j'ai vécu beaucoup de souffrances, mais il y a une chose qui est toujours restée. C'est ma croyance que l'amour, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Jamais, mes amis, je n'ai remis en cause l'amour. À chaque fois, je me suis dit que j'avais fait des choses, peut-être moi, qui n'étaient pas justes, qu'il fallait que j'apprenne de mes erreurs. Et j'ai constamment appris à mieux communiquer, à mieux savoir ce que je voulais, à mieux accepter l'autre, comprendre mon identité, comprendre l'identité de l'autre. J'ai progressé à chaque période difficile que j'ai traversée. Et aujourd'hui, à quasi 60 ans de quelques jours, eh bien, vraiment là, je sens que, je dirais, je suis connecté à cet amour authentique. Je le vis avec ma compagne. Elle aussi, ça n'a pas été facile dans sa vie. Et toutes nos douleurs, tous nos souffrances nous ont permis d'être à ce niveau. Parce que c'est dans les difficultés qu'on évolue souvent. Et l'amour est une école. C'est un maître, je le dis souvent. C'est un maître, l'amour, et qui veut nous redresser quelque part. Donc, si vous êtes célibataire, veuf, divorcé, vous devez croire, vous devez toujours chercher à progresser, ne jamais vous enfermer dans vos idées, ne jamais tomber dans la peur de l'amour, car quand on a peur de l'amour, on a peur de la vie. Quand on a peur de l'amour, c'est qu'on a déjà un pied dans la mort, quelque part, et ça, il faut se révolter contre ça. Chercher à progresser, aller voir des accompagnants, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, venez marcher sur Compostelle. Lancez-vous, dépensez votre argent dans votre évolution parce que c'est votre vie. Le matériel ne vous apportera rien à part un léger plaisir d'avoir acheté quelque chose, mais c'est un plaisir qu'il faudra répéter quelque part. Ça ne viendra pas combler votre âme. Ça satisfera votre ego qui, lui, sera content d'avoir du matériel, mais votre âme aime, qui attend de vibrer, qui attend d'aimer, elle sera, je dirais, en souffrance. Donc, gardez la foi en l'amour, continuez à apprendre et vous verrez que si vous progressez, vous allez pouvoir reconstruire votre grande histoire. Votre grande histoire est devant vous. Ne restez pas seul que vous ayez 50, 40, 60, 70 ans et plus encore. Il n'y a jamais de limite pour aimer. Ne dites jamais que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour vivre une grande histoire d'amour. Remettez en cause les pensées de votre ego qui veut, lui, cette partie de vous qui veut vous enfermer dans votre quotidien. Croyez en l'amour, faites comme moi et vous verrez que vous pourrez vivre ce que vous attendez depuis toujours. Voilà ce que je veux vous partager avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, prendre rendez-vous, faire une marche sur Compostelle pour parler d'amour, pour méditer,
faire une formation de psychopraticien coach. Voilà, investissez-vous sur vous, soyez l'auteur de votre vie et vous verrez que vous irez, la vie vous récompensera et vous irez beaucoup plus loin. Voilà, si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime, sinon je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.